profitable pour chacun d'entre nous. Et que ces livres, Seigneur, écrits sous l'inspiration des hommes et des femmes qui auront accès à l'auteur, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. C'est une lourde tâche aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui sont en train d'être faites par le pasteur. Il est également docteur en études religieuses et l'Université de l'État de l'Indiana aux États-Unis. Et de cette même université, il a été en philosophie notamment, PhD, fonction leadership et management, fonction philosophie chrétienne et apologétique. Et le dernier en ministère de l'éducation, notamment Beulah Aid University d'Atlanta aux USA, qui focalise pardon, cette action sur trois axes qui sont le soutien à la foi chrétienne par les enseignants. Il est aumônier de l'Église de Christ au Congo, près des instituts supérieurs de la Corée, et bien avant cela, il est chargé des questions sociales et humanitaires, ainsi que celle de coordonnateur général de la Commission nationale des armements, des mobilisations et réinsertion. La CONADER en signe, pour ne citer que celle-là. Conférencier international et docteur révérend Daniel Kawata et Maria Mimi Kawata. Et ensemble, ils sont bénis avec une famille de 4 enfants, dont une fille et 3 garçons, à savoir des filles, Christo, Elbert et Lunel. Frères et sœurs en Christ, je vous salue tous au nom de Jésus Christ. Il nous a été donné. Et pour nous, c'est un grand honneur. Et d'accepter et d'accepter cette famille et des intérêts militaires. Et pense des sources qu'on dénombre dans la bibliographie. À la fin du livre, vous verrez à la fin de ce livre, il y a une liste de livres. Mais malgré une bibliographie abondante de Madame Nelly, de Pasteur Anthony, et l'homme qui vient de nous parler ici, c'est toute une équipe, je ne saurais pas citer tous leurs noms, ils m'ont surpris dans la manière dont ils ont pris à cœur cette cérémonie. Mais aussi particulièrement le révérend docteur Charles Gillen, qui est ici à mes côtés. C'est lui l'aîné dans notre église actuelle qui a servi le Seigneur. Je crois que mon âge n'est même pas l'âge de son ministère. Il me disait qu'il a 58 ans dans le ministère, moi je n'ai que 56 ans. Donc je suis même dans son âge de ministère. Et j'ai même accepté, malgré le temps record, de venir vous représenter ici et bénir le peuple de Dieu et bénir cet ouvrage. Ça nous touche, ça nous va droit au cœur. Merci au révérend Israël Sembe et aussi au docteur Tissoumou qui a voulu apporter de sa capacité intellectuelle. Il a lu ça avec les yeux aussi scientifiques. Vous avez entendu à la fois les commentaires scientifiques et spirituels. J'aimerais remercier toute ma famille chrétienne que vous êtes pour les encouragements et particulièrement mon épouse et mes enfants qui ont enduré de manière significative mes longues absences liées à la production de cet ouvrage. L'ouvrage dont il est question s'intitule L'homme heureux au service du royaume de Dieu. D'aucuns se poseraient la question pourquoi un tel titre sera pléthorique au regard de ce qui existe sur la place publique. Je me suis aussi posé ces questions pendant plusieurs années, mais j'ai fini par me décider. Je voudrais en quelques mots ici donner une raison fondamentale qui m'ont encouragé à écrire cet ouvrage. Je ne serai pas long. L'ouvrage a été déjà expliqué sous plusieurs angles, même au-delà même de ce que j'ai écrit par le professeur qui m'a précédé ici. Cet ouvrage vient d'un souci majeur, celui de voir l'homme créé à l'image de Dieu jouir de la vie que ce dernier lui a donné comme un héritage principal. Selon la Bible, cette jouissance dépend de sa
certain nombre de facteurs, parmi lesquels l'obésité de la libre acceptation par l'homme de l'offre de vie que Dieu lui a faite à la personne de l'œuvre de Jésus-Christ, son Fils. L'acceptation à elle seule n'est pas non plus suffisante parce que cette offre est assortie d'un mode d'usage. Cet homme ne fait à la résistance de cette offre. C'est à ce niveau que reste théorie de tout ça. Allant non seulement à rejeter les instructions du Christ, mais aussi à rejeter l'offre elle-même. En effet, en observant la vie de l'homme dans nos sociétés aujourd'hui, l'on se rend compte que l'homme a développé plusieurs théories et philosophies de l'homme. Tout prône de la centralité de l'homme, tout vise le bonheur de l'homme, tout cherche à définir son vrai bonheur et à mettre sur pied les voies de l'épistémologie pour permettre à cet homme de réaliser un vrai bonheur. Ces différentes philosophies sont à la base de plusieurs convictions religieuses dont la mise en pratique plonge l'homme dans des objectifs allant de l'idolâtrie jusqu'au terrorisme. Pour en autre terme, en position de rébellion contre Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5, lesquelles déclarations sont appelées à participer. Le professeur a pris un exemple sur lequel j'ai insisté. Le montre en esprit comme un exemple avant de terminer mon allocution. Le montre en esprit car le royaume des cieux ou le royaume de Dieu est à lui ou lui appartient. Est une phrase, et la Bible est pleine de phrases comme ça, de déclarations qui n'ont pas pu être commentées dans leur profondeur, mais malheureusement qui ont été déviées dans leur interprétation. Et nous avons pris du temps pour creuser ce que Dieu entend par bonheur au travers de ce genre de texte, pour n'en donner que cet exemple. Et comme il s'est dit pour la vie sous-boyer, nous
pour communiquer de sa vérité, pour communiquer de sa vie. Et nous l'engueillons à vous aller là, à la planète. Nous allons bénir Zambé et le cadre de Christ à bien y avoir imbécile, à d'autres idées, pour nous communiquer, pour nous transmettre la vérité, pour éclairer au monde, pour écouter pour même à monde. Et j'allais vous montrer ça, ma bombe à Bibi, néné! Apocalypse! Ma bombe à Bibi, néné! Alors, Oyo, Mukanda Oyo, Ngaïla, Neki, Koutala, et j'allais vous créer ma bombe à Bibi, néné! Et j'allais vous créer ma bombe à Bibi, néné! Oyo, Satan, j'allais vous saler là, on l'a pas. Bah oui, ma bouche de ma bête de la nouvelle naissance. On a pour tourner vérité. Mais awa, à mon inzambi, à saléli, mon bonheur, le pour la canard, il y a communication, il y a vérité, il y a transmission, il y a ma sémence. Oui, et cultive la vie à mon tour, on a pour y être ma commune, mon sang, mon ami. Source, il y a vie. Vous voyez, pour déclarer, pour communiquer par la divinité, nous avons inspiré, voilà, là, pour la poussoumna matin, c'est la vie sort, où il est mélangé, la ma doctrine différente. Ma doctrine différente. Alors nous avons Saléli, prophète, Daniel Kavata était choqué vraiment au commun en connexion dans le cadre de la commune à commune. Dieu va vous éclairer. Nous avons un peu de monde qui nous a aidé. Nous avons un peu de souhaité. Nous avons un peu de monde qui nous a aidé. Nous avons un peu de monde qui nous a aidé. Nous avons un peu de monde qui nous a aidé. Nous avons un peu de monde Christ Jésus a révélé hier ma bombe. Au mon côté, a recueilli ma zambi, ce qui voit dans la vie à la vision de mon compète, a recueilli ma Christ, ce qui tarda, pour lui mourir mon sang, a révélé Yoté. Avant d'aller pour tout la zambi, a eu une zambi à Sali, pour la révéler mon mouvraillé, Daniel Kawata, a pour payer sa vie son ouvrage. Ah, mon Dieu, on peut quitter la table. Bible, il allait quitter la table à mon aîné. Mais on est pour la. Parce que tout, on est allé avoir des outils caca. La Bible, il y a. Alors, Bible, il allait forer mon aîné. Zama, mon aîné. Il faut battre, va aller ma machette. Va aller ma combo pour la coucoula. Voilà, il y a un diamant. On est allé quitter la Bible. Avoir la tonne d'une pour la prière de Sabino et de Bino, vous allez avoir un bon pain pour lui. Vous allez vous porter un bon pain pour lui. Et ce qui aussi dit mon canon, il y a un débat. N'a pas y aller au kilo yoté. N'a pas y aller au kilo yoté. Casse-moi y aller dans le zambé, n'a pas y aller au kilo yoté. Vraiment, vie dans le spirituel et pour matin. Et pour matin. Nous allons prendre la parole pour nous et nous allons pour commencer. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le et nous allons éclairer les quatre moyens de la communication et la vie. Et si quelqu'un se fait pour la vie, il y a un monde de copie.
tata na ngai na lola nzambi oyo ayeli ba faiblesse na biso pe abateli Daniel kawata mpona kokritiveme liloba na yo mpe ya kotia yango na mosala na kati na mokambi oyo bana simbi o nzambi tika mokanda oyo ekomami mpe ebimi kati na mokanda oyo ezali parole éternelle parole puissante parole créatrice tika ete mokanda oyo ebimi kati na yango ezala mwaye ya communication mwaye ya transmission oyo akozwa yango azwa basemence ya sagesse ya intelligence ya mokili te kasi oyo ya yo nzambe mpona kozwa bomoi na seke pangola mokanda oyo na motu nyonso akosomba yango amola te kasali pete amola te kazangi mor oruke na kati na maloba ezali awa eleki diama eleki or yango anatika mokola moko azali motima mofungwami mpona kokamata mokanda oyo mpe nazali kosenga epai na yo nzambe mpona mohumbula yo profete Daniel kawata tike tomatisa ye azwa de nouvelle révélation mpona kosunga baoyo bandimi yo oyo bazali kosalela yo na ntango ya lelo ya mélange nzambe na pondeli epai na yo tika opese ba nouvelle inspiration asala lisusu koleka mbamba te biblia ezali zamba monene tika akundula kobai kokundula asala mikanda ebele nzambe mesi na tondi yo mokanda oyo esika ya koleka sobatangi yango bamona ye motu moko ya sika azala ba aksa ya sika langage ya sika pe attitude ya sika na bonini epai na yo tika mokanda oyo ezala lipamboli epai na motu nyonso akoyanga yango na nkombo na kristo yesu nkolo na biso na bonili bongo amen. On parle d'une génération qui doit être heureuse. Enregistrez-vous, donnez vos détails, on va faire en sorte de vous appeler pour vous livrer. Pour les livres. Vous savez, avec un livre, toutes les personnes qui au moins ici, plusieurs générations invité, pourront avoir nom, une si idée vous de ce que l'argent c'est exactement si vous le même. Donner l'argent, donnez l'argent maintenant. Donc, et on va vous je connais le docteur chez vous à la maison. Kawata. Donc, j'apprécie. J'avais invité le pasteur NCB pour la prière de clôture et pendant ce temps, sentez-vous libre. Vous saluez. Au soir de pouvoir faire ce qu'on appelle. Et après, il y aura la déjà, il aborde le fait que la personne doit être heureuse. Lorsque on voit la plupart des enfants de Dieu,
c'est pas tout le monde qui peut dire qu'il est heureux d'être enfant de Dieu. Parce que ça dépend de la compréhension, du point de vue qu'il a du fait d'être heureux. Pour certains, être heureux, c'est avoir une femme, les enfants, le bien matériel et tout cela. Et alors, de ce point-là de vue, il va se dire, Dieu ne m'a pas rendu heureux. Mais il n'a tout simplement pas le même point de vue de Dieu. Alors, c'est bien abordé de voir que Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, qui a vécu, qui est né dans les conditions méprisables et tout cela, mais qu'il était heureux. Donc, de ce point de vue est pour moi très intéressant et je crois que j'encourage. Professeur à Leadership Academy University, l'université où Dr. Kawata est recteur. C'est comme nous venions de suivre, l'auteur a voulu nous montrer que nous sommes créés à l'image de Dieu pour jouir du bonheur que Dieu a placé à la fois dans l'univers et dans notre vie, dans la société. Mais il s'est fait que le diable vient pour nous arracher de ce royaume. Alors, à travers sa recherche, il a découvert que nous, qui sommes créés à l'image de Dieu, nous pouvons jouir de ce bonheur du royaume en respectant les normes que le Seigneur a prescrites dans sa parole. Et c'est comme nous savons, la Bible est une grande forêt, mais Dieu s'est servi de Kawata comme un agronome qui entre dans la grande forêt pour nous dépister, nous montrer certaines vérités qui ne pouvaient pas être connues. C'était une grande contribution de cet ouvrage, démontrer que nous devons être fidèles à la parole de Dieu et ne pas dévier, hein, comme aujourd'hui on voit par-ci par-là des déviations dans l'interprétation de la Bible. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet ouvrage, c'est que l'auteur nous donne une piste herméneutique pour comprendre la parole de Dieu et rester dans le sens même de cette parole. Ils sont pas nés de nouveau, ils vont les prendre comme ça. Mais ceux qui sont nés de nouveau, j'ai trouvé du diamant dedans. Et c'est pourquoi j'ai déclaré que ça soit vraiment un moyen de communication, de vérité à tous ceux qui vont la lire. Pasteur Nalinga, je suis pasteur doyen. Doyen, dans le monde où tu es, je suis et comme ami est belé. Si tu es dérouté, je suis la vérité. Je suis en train de me faire l'une des choses qui sont dans la Bible. Conseil ni groupe à travers vivre pour batouana bazoume mabana nzambe na nzela mabe. Conseil na groupe ça na ba sali oyo bazali kumi mabana na nzambe na banzela mabe. Bazali kuzanga ku présenter Christ, Christ vivant. Alors que base à la vie à muntu ezali Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, il faut toujours présenter Christ. Soyez les témoins de Christ.